Les trésors de Cibola est un jeu d'enchères et de collection. Les joueurs incarnent des explorateurs, à la recherche de trésors perdus. Dans les trésors de Cibola, chaque joueur est à la tête d'une équipe d'explorateurs. Leur nombre dépend du nombre de joueurs. De 12 explorateurs à 2 joueurs, à 6 explorateurs à 4 joueurs. Chaque tour, 4 cartes trésors sont piochées et placées au centre de la table. Les joueurs choisissent secrètement combien d'explorateurs ils envoient. Ils placent les pions dans leurs mains et l'attendent devant eux, point fermé. Lorsque tout le monde a choisi, les pions sont révélés et défaussés. Celui qui en a misé le plus choisit en premier, et ainsi de suite. En cas d'égalité, le joueur le plus à gauche du joueur avec la torche commence. Si un ou plusieurs joueurs n'ont misé aucun pion, ils récupèrent les pions de la défausse. À la fin de la phase d'exploration, le joueur qui a pris son trésor en dernier récupère le jeton de torche. Les cartes représentent des trésors. Il en existe 5 différents, mais une même carte peut en montrer 1, 2 ou 3. Au début de la partie, on ne sait pas combien de points chaque trésor rapporte. Lorsqu'un joueur prend une carte avec un symbole rocher, il recouvre l'un des emplacements vides du plateau. Il n'est pas possible de cacher la dernière case d'une colonne. Les statuettes et les crânes sont un peu différents. Ils ne donnent ou ne font perdre des points qu'à celui qui en possède le plus. À 3 et 4 joueurs, chacun prend une carte lors de la phase d'exploration. À 3 joueurs, la carte restante est défaussée. Si elle a un symbole rocher, le jeton est placé sur le plateau par le joueur qui a la torche. À 2 joueurs, chaque joueur prend une première carte, puis une seconde lorsque les deux ont choisi. Au début de la partie, 5 totems sont placés au hasard sous le plateau. Lorsqu'un joueur prend une carte avec un symbole totem, il peut en choisir un. Les totems donnent généralement des points de victoire supplémentaires, permettent de récupérer des explorateurs ou de déplacer des rochers. À la fin de la partie, les joueurs gagnent et perdent des points pour leur trésor. Chaque groupe de 2 explorateurs donne un point de victoire supplémentaire. Pour conclure, les trésors de Cibola est un jeu d'enchères très accessible. Jouer dans son coin n'apporte rien de bon. Quant aux points de victoire, il faut les ajuster avec sagesse pour s'avantager tout en désavantageant ses adversaires.